Beatrice. You're talking about, I want you to make like a lecture of, this is a lecture actually, of Maxime Rossi. So where is he from? C'est un artiste français. Donc c'est un jeune artiste français qui vit et travaille à Paris. Et dans cette pièce, il a pris une partition de Chopin. En fait, c'est un travail qu'il a fait qui a duré beaucoup de temps parce que il a mis chaque page de la partition sur la tombe de Chopin au Père-Lachaise. Donc après, il a accroché des feutres sur les branches des arbres qui sont sur la tombe de Chopin, et c'est les branches elles-mêmes qui ont laissé des traces sur les partitions. Donc c'est ce qui est intéressant dans le travail de Maxime et dans ce travail en particulier, c'est justement cette expérience qu'il met en œuvre et qu'il devient quelque chose de très magique. Entre justement la lecture d'une partition qui revit à travers le signe que l'arbre laisse sur le papier lui-même. Donc c'est quelque chose d'aléatoire, d'abstrait, mais qui en même temps se relie à la musique, à l'histoire et à la magie, et à la magie du geste. Merci.